La petite puce s'amuse à faire des gommettes. Hein? Oui. Hop, celui-là. On va appuyer un peu plus. Oui, il y en a plein là. Hein. C'est toujours la fameuse hop, boîte. Ah, c'est dans l'autre sens. J'ai acheté chez Jiffy, il n'y a pas grand-chose. Maman, et il y a un autre paquet hein, qui n'a même pas encore été entamé. Hein. Oui, ma puce. Si. Waouh. Oui. Non, là, je fais les gommettes. Mais Marie, t'es allée le prendre dans ma chambre, non? Si. Bah. Ah non, 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 non. T'as un caillou. T'as un petit tu caillou. Ouvres pas ça. Qui est resté dans la coupe. Maman, ah. Allez. Bonjour tout le monde. Oui, ma puce. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je te laisse pour l'instant pour les gommettes. Il faut que je fasse... Viens. Après, je vais venir. Bon. J'ai une petite puce qui a un réclamage de maman aujourd'hui. Hein? Tu fais coucou? Non. Non. Elle va même se cacher au fond là-bas. Je vous prends là, il est tard, il est midi. Il est tout juste midi en fait. On va commencer à faire à manger. Tu veux faire coucou finalement? Coucou. Ah. Bonjour tout le monde. Tu veux montrer tes pieds? Ouais. Donc la puce encore en pyjama, va falloir que j'aille l'habiller. Les garçons se sont habillés. Il y a quoi qui est passé cette nuit? La petite souris. Oui. Emma. Elle a emmené combien la petite souris? Emma. Non, 2 euros. Non. T'as un sacré trou, hein? Oui. Maman. Ah oui, c'est les mains d'Andrea. Pourquoi elle dit ça? Bon, la journée commence. J'ai déjà bien fait plein de choses, toute ma vaisselle. J'ai lancé une machine de drap, je vais éteindre dehors. Et je pense, non, mais que juste après, je vais me lancer... une autre machine de vêtements que je vais étendre sur l'étendoir. Dans la maison, peut-être sur la véranda. Non, Maxence, j'ai dit que j'allais pas jouer là. On va faire à manger. On a des allumettes, je crois que c'est ça, de poulet. Genre des lardons de poulet en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on va faire genre pas de carreau avec ça. Non. Et ce matin, c'était activité manuelle aussi pour les enfants. Artistique, truc comme ça. Oui. Elle est infernale ce matin. Aujourd'hui, la petite puce, elle est habillée avec la tenue que mamie lui a offert à son anniversaire. Oh, oh. Tu vas tomber. T'es trop belle. On a réussi à pas manger tard. Il y a le coucher la puce. Là, ça va être le tour des garçons. Je pense qu'ils y sont déjà. On va aller voir ça. Alors, ils ont très bien dormi ce matin. Donc Maxence a le droit de faire une petite sieste, il le sait. 14h ou 15. Mais Amaury, il a un enfant de 4 ans, on fait dodo. À 16. Il s'énerve. Parce que c'est comme ça qu'on enlève les chaussettes? Et non, regardez Amaury, c'est comme ça. Super. Et avec l'autre, on fait derrière et après on enlève devant. Très bien. Et Montoui, il est pas content. Donc l'heure de la sieste, ça fait du bien. Aujourd'hui il fait très regardez très beau, mon Pokémon. Très chaud. C'est ce que tu as eu à Burger King. Et le boulet. Le boulet? Oui. C'est son attaque en fait. Oui, oui. Boulet roulé. Boulet roulé. Comme au jeu dragon, il y a un dragon que papa est là et son attaque, je dis boulet roulé. D'accord. Alors que c'est roulé boulé. Ah oui, c'est bien ça. Bon, voilà. On a des enfants tout contents, nous aussi. Ils ont compris que c'était la fin des vacances. Ils ont très bien dormi ce matin. On leur avait dit, hein, vous faites du repos. Ils se sont levés que vers 9h. Donc ça, c'est cool. Donc c'est pour ça que Maxence a le droit de faire une petite sieste. On se retrouve en milieu d'après-midi. Je me lève d'une sieste, il est 6h-10. Les enfants se sont levés un peu avant. Là, ils prennent le goûter tranquillement. Papa est parti aux courses, de ce que je vois, pendant que j'étais à la sieste. Il est aux courses. C'est un peu fort la télé, en fait. J'avais monté le son parce que je trouvais que c'est comme s'ils n'avaient pas de son pour écouter, mais...
C'est bien. Regardez ce qu'a fait la puce. Elle boit dans un verre normal, là, depuis ce midi. Elle réclame de plus en plus à boire, oui, à boire dans des verres. Donc, oui, c'est pas, elle dit qu'elle ne veut plus boire là-dedans. Et qu'elle veut boire dans son verre. Voilà, comme une grande. Donc, bah, je crois que j'avais tout. Donc, bah, c'est cool. Tu peux avoir les trois ? Oui, vas-y, tu peux manger les trois. J'ai dû, vous voyez là, le Storban, je l'ai sorti parce qu'en fait, il fait très très chaud aujourd'hui. Donc, ça nous fait de l'ombre dans la maison. Vivement les volets roulants. Parce qu'en fait, je pense qu'on va pouvoir les... Enfin, on fera en sorte de les baisser un peu pour éviter qu'il y ait le soleil quand il commence à descendre. Qu'on en ait trop dans la maison. Donc, voilà quoi. Ça fait du bien de dormir. En ce moment, je fais une sieste tous les après-midi. Enfin, dès que je peux. Mais vers la fin d'après-midi, quoi. J'ai dû aller me coucher un peu avant 4 heures, en fait. Exactement l'heure à laquelle les enfants se lèvent. Mais c'est le moment où j'ai un très gros coup de barre, où je sens qu'il faut que j'aille au lit pour me ressourcer, en fait. Donc, je le fais. Voilà. Super, ma puce. Oui, j'ai vu. La petite puce, elle fait du coloriage encore cet après-midi. J'allais dire, elle colorie assez bien, donc elle a fait la croix en premier. Mais après, oui. Tiens, tu veux le bleu ? C'est bien, un bleu. Oui, vas-y. Essaye de faire dans les cases. Oh, tu peux faire plus, regarde. Elle est grande, la case. C'est cool de faire ça. Hein. Et donc maintenant, on l'a installé sur la chaise rehausseur qu'on avait pour Amaury. Amaury mange normalement ici. Et Andrea, elle a fini de faire... d'être dans la chaise haute. Cette chaise lui va très bien. Et elle est trop contente de manger à table avec nous. En ce moment, on fait des changements de grande fille. Tiens, tu préfères celui-là ? D'accord. Oui, tu fais où tu veux. Ma grande fille. Bon, écoute, les chansons de Disney en même temps que manger ce soir. Il fait tellement chaud aujourd'hui. J'ai sorti quoi ? Une glace. Une glace. T'as le soufflé dans la figure ? Ah, ça te fait mal aux dents ? Non. Ah, ça fait mal ça. La puce est trop contente. Amaury aussi. Et nous, avec JP, on se prend une double... coconut à la noix de coco, elles sont super bonnes celles-là. Double coconut à la noix de coco, oui, exactement. C'est deux fois à la noix de coco.